Salut les gars! Je vous dirai pas l'heure, il est beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, événement drift. Nouveau son BM, on va bien rigoler. Oh! Ceci est une voiture missile style, les bisous mon gars avec l'humidité. En vrai, j'adore comment aller avec, avec l'humidité, elle rend vraiment super classe. Voilà, du coup, là on a monté 17 avant, 18 arrière. On va regarder déjà ce que ça donne avec des pneus usés à l'arrière. Ensuite. On verra, ça donne avec des pneus neufs à l'arrière. Donc cet événement drift, ça va être bien rigolo. Lego. Ouais. Bah on va se préparer pour 3 heures de route, hein. Et on va arriver, espérons arriver entre 8 et 9 heures. Voilà, maintenant vous savez à quelle heure on est parti. Nickel. Pour les connaisseurs de Nancy, regardez cette section qui est vide. Ça fait rigolo. MDR, ici normalement le matin. T'as plein de bouchons, c'est la merde. Là, t'es au calme, tranquille. Il y a 2-3 voitures. C'est drôle. Voilà les gars, on est arrivé. Tout est déchargé, gros bordel. C'est normal. Comme d'hab. Voilà, écoutez-moi ça. Le nouveau silencieux, il est tout discret. Bon, j'avoue, avec tout bosin autour, il est quand même, moi je trouve qu'il est discret, il est nickel. On va le tester, on va voir combien il fait au décibel. Et voilà. Oh, ça fait du bien de la reconduire. Normalement c'est 95,4. Bah t'as mesuré avec quoi? Avec un sonomètre comme ça. Vas-y, tu peux mesurer. Du régime max. De quoi? 75% du régime max. Ouais, je me suis mis à 4000, 4250. Ouais, c'est un peu plus que ça, ça doit être plus autour des 4,8 normalement. Pour 6000, 6005? Bah 6005 quand même, 50, t'as trop. C'est vrai. Oh putain, ça va. Bon, ça va, mais ouais. Mais t'es à 99. Ok. Ouais, bah du coup le setup là c'est 17,9 avant, 18 usé derrière. Allez, bordel de merde. J'adore ce bruit, putain! J'ai l'impression d'avoir plus d'angle avec le poussette à l'avant juste à l'arrière.
quand ça commence à spin, c'est vraiment ultra petit. C'est ça le problème. Ouais, quand ça commence à être usé, vraiment plus beaucoup de gomme, ça commence, c'est twitchy as fuck. Donc au début c'est vraiment bien, mais ensuite quand il n'y a plus de grip, c'est twitchy. Je suis content. Un mois et 15 jours que j'attendais ça. Ouais. Ouh, ça glisse. Pardon. L'état de ce pneu à l'arrière. On est déjanté, mon gars. Ouais, c'est le décès. Bon, du coup, ça va, le filtre air marche bien. Il n'y a pas de soucis. Bon, certes, il aspire un petit peu d'air chaud, mais le problème, c'est que j'ai pas vraiment de quoi cloisonner. Et puis là, c'est pas assez gros pour passer un tube. Donc, pour l'instant, je vais le laisser là. J'ai envie de vous dire, voilà. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre des cales de 5 mm à l'avant en 17. Parce que là, du coup, c'était 17 avant et 18 arrière. 17 avant 9, 18 usé arrière. Et la voie est trop large, en fait, au niveau d'ici, par rapport à là. Donc on va essayer d'élargir un petit peu la voie ici jusqu'à ce qu'on puisse mettre, je sais pas, on verra. Les gars, j'avais oublié à quel point Marville, c'était la vie. Putain. Putain de merde. À la vache. Ça va. Je veux pas que ça tu va. Parles. Ça passe. C'est bon. Ça va ? Celui-là, il est bon. Il doit faire 36 ou 37 au sol. Puis en plus c'est pas comme si on était en train de siroter une connerie au milieu d'une piscine. Oui. Oh!
voiture à chaud. La voiture à chaud. Bon mon gars, les tirants de 46, je vais y passer là. Bon, ils sont finis. Bon voilà les gars, bon c'était un événement un petit peu plus roulage, moins de parlotte, parce que je voulais vraiment m'entraîner avec 17 avant, 18 derrière. Définitivement avec 19 à l'arrière, bon bah c'est mieux, hein, on s'y attendait un petit peu. Le pneu de vélo qui se dégonfle. C'est violent à quel point on a des coups de soleil partout. Il a fait genre 40 au soleil aujourd'hui. Ok ouais, encore une fois la BM a vraiment bien fait son taf. Il va vraiment falloir qu'on passe un coup d'aspi. Voilà les gars, la voiture est rangée. Enfin montée, désolé, je suis fatigué. Paul, c'est notre première journée à être tout seul sans aucun parent qui accompagne, parce que du coup bah j'ai tous mes permis qu'il faut. Journée qui s'est bien passée, c'était du bon gros roulage, bien fat. Encore une fois, bon bah pas de casse, pas de problème particulier. Puis voilà quoi, hâte de voir ce qu'elle va devenir. Parce qu'elle est en devenir. Putain, qu'est-ce que j'aime le drift. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. La puissance appartient à tous. Salut.